Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Manor Lord. J'ai pas encore assez d'influence pour revendiquer le territoire d'un voisin. En revanche, je suis assez satisfait de mon avancement en armée. Oh là là, on a des stocks de lances et de boucliers tellement grands que je pourrais refaire des tas d'armées. D'ailleurs, je peux en faire une tout de suite. Et Dark, c'est pareil. Il manque juste des gens. Donc j'ai envie de faire des censifs de plus juste pour avoir du monde. Trop petit si je fais dans ce sens-là, mais là ça passe, non? Yep. Alors, est-ce que tu peux me faire une grande maisonnette? Yep. La même chose un peu plus petit. Non. You'll not find finer wares anywhere else. Come one, come all. Allez, c'est parti. You'll not find. On va étendre les espaces de vie. Tout que c'est des paysans, pas des artisans. Donc j'en profite. Oh, j'ai plus de bois. Ça, je m'y attendais pas trop. Et après, on fera une ferme derrière. Alors des gens, le garde-manger est plein. Ouais, ça veut dire qu'il me faut des gens dans le grenier plus que ici. Hop. On va vendre des baies parce qu'on a une quantité astronomique. Garder 100, on va dire que c'est large. Finalement, j'ai de quoi nourrir beaucoup plus de monde que ce que je pensais. Niveau 2, j'ai pas vraiment de quoi les satisfaire, donc on va pas se presser. Faut des tuiles et de la pierre. La pierre, je peux envoyer quelqu'un pour commencer à en extraire. Et la mine à ciel ouvert, pour l'instant, elle produit suffisamment pour mon autre région. Donc on va pas se presser. Suffisamment pour la vitesse... Armerie. On fait des casques. 30 casques. 30 casques, 30 casques, 30 casques. J'ai tous les casques qu'il me faut. J'en ai même 37 en supplément apparemment. Donc il n'y a pas du tout priorité à améliorer les casques. Poor quality, you say? Impossible. Ouais, du coup on a 4 habitants à la place de 2. C'est peut-être ça, ils mangent trop. Il va me falloir un autre moulin. On n'a pas de blé pour l'instant. Donc le moulin suit le rythme. Orge. Orge. Blé.
Hop, on rajoute quelques maisons. Toujours plus. On va dire qu'elles sont assez proches de ce marché. On a tout plein de maisons. Et pour l'instant, pas les habitants pour aller avec. Mais une fois qu'on les aura, ça nous fera une armée gigantesque. Il faudra que je continue à nourrir. Mais j'ai le pain qu'il faut pour les nourrir. J'ai boosté la production de légumes à fond. J'ai pas le bois qu'il faut. Ça va finir par augmenter. Les pâturages commencent à être bien remplis. On gagne des sous tout seul, c'est très bien. On se repose pour guérir. Ah. On va pas forcément l'infecter en permanence. Je pense qu'il n'y a pas assez de pression sur les bêtes pour que ça pose souci. Pour communal, il n'y a personne, c'est normal. Bon, moulin, il tourne, mais en pratique, il n'y a plus de farine. Il n'y a plus de blé à moudre. Il n'y a plus de grain à moudre. Blé, puis grain, puis farine. Ah, je pourrais obtenir du fumier et de l'engrais. Pas très loin de la croissance max. C'est-à-dire que lui, il est plus prioritaire. Une fois qu'on aura du monde dans toutes ces maisonnettes, on pourra refaire une ferme. Sachant que c'est le lin le plus casse-pied. Ah, les fertilités sont pas égales. Ah si, c'est là que c'est très vert. Ouais, ça va. Donc pour le lin, on va rester de ce côté-là. En revanche, blé et orge, je pense qu'on va faire surtout du blé d'ailleurs. Ça pourrait être par là. Je pense que je vais couper la poire en deux. Ce que je peux faire, essence par là. Ça fait des grands terrains en arrière-plan. C'est un peu dommage, ça me fait perdre de l'espace. En même temps, je veux pas qu'il soit loin du marché. Sinon, on mettra un. Je suis pas obligé de remplir tous les espaces pour l'instant. Que je pourrais trouver des maisonnettes genre une forge ou un truc comme ça, sauf que pour l'instant le minerai il arrive au comptoir commercial, puis il est stocké à l'entrepôt. Et ensuite il est utilisé dans la forge. Dans le bas fourneau, voilà. Visiblement, à deux familles, ils arrivent à faire tourner ce truc. Ils ont récupéré du minerai. Je trouve que c'est très embêtant qu'il n'y ait pas de nourriture. Je sais pas comment ça se fait. Est-ce qu'ils ont vraiment le marché juste à côté? Je devrais au moins pouvoir choper du pain, il y a du pain pour tout le monde. Il y en a qui attendent. Oh là là. Je pourrais booster un peu les transporteurs. C'est fini, c'est plus utile. J'espère que les chasseurs ils font autre chose d'utile quand ils ont rien à faire. Alors,
de blé. Là, c'est un peu moins fertile, par exemple. Donc, je me dis que je vais encore faire un bois machin. J'en ai beaucoup, mais j'ai vraiment peur d'en manquer. Et je pourrais faire une coupe de bois par là. Enfin, on va commencer par le champ. Où est-il? Ici. Donc le lin, de toute façon, c'est pas très intéressant. Donc on regarde pour le blé et l'orge. N'importe où sauf là. Ok. Alors, je pense qu'on va faire deux champs. Un. Ah là, c'est des tout petits champs qui me fait faire. Je vais retirer la route ici et la faire moins longue. Elle partait de là. Ah. Alors notre ferme est construite. Poste de forage s'il vous plaît. Est-ce que je fais des sensibles ou pas? Finalement je me dis que je vais peut-être faire une ligne de maison quand même. C'est parti pour le champ. Bon, donc finalement je me suis drastiquement étendu par rapport à l'endroit où j'avais placé le manoir. Donc on va faire le champ derrière. On dit que c'est l'orge notre point limite. On peut essayer de faire un champ comme ça, de Morgan. Ça, ce serait notre champ à orge. J'ai envie d'exploiter le bois avant de tout casser derrière. Je trouve ça dommage de pas exploiter les arbres avant. Fait. Donc notre champ, blé 54%, orge 48%. Ah, c'est un peu mieux que là-bas, je crois. Donc on va faire de l'orge. Après, on le transforme par là-bas l'orge, mais bon. Ouais, on va faire du blé. Ou quoi que le blé aussi, on le transforme par là-bas, mais ça pourrait changer si je fais un moulin. Si je retrouve où est le moulin, bien sûr.
Ah là. Ouais. Ah là, ce serait super. Je pense que ça dépend de la proximité des arbres aussi. Eh bien, on va peut-être pas faire de moulin tout de suite. Là, j'aurai un beau spot. J'essaie de remplacer les maisons. Ouais, je pourrais aussi le placer par là. On va pas le construire pour l'instant. On va mettre une famille dans la ferme. Labour à la main. Non, pas trop. On a 10 places en étable. Donc on a de quoi avoir plus de bœuf. Ils sont pas utiles, eux non plus d'ailleurs. Est-ce que mes gens aussi sont mécontents parce qu'il y a personne qui s'occupe de l'église? Non, au travail ils étaient montés à 11 au mois d'avant. Des maisons, quoique si je fais sauter cette route, ouais, je vais pouvoir glisser une maison sensible. Nickel. Or, on a 200 bûches. C'est vraiment une question de. Ah, super, il y a un animal qui est venu s'en occuper. Récolter maintenant. Là aussi. Donc, il me faut du monde à la ferme. J'ai des meilleurs mécontents. Oh là là. Je sais pas comment ça se fait que vous ayez pas de nourriture, les gars. Ah, stock endommagé par les incendies. Là-bas, ils ont un nombre de. Et une nourriture variée. Et vous, vous n'en avez pas. Je ne comprends pas. Pour vous aider, je vois bien que vous manquez de nourriture. Là, il y a un étal de nourriture, il est vide. On va tenter d'en détruire un. Voir si on a un nouveau qui est installé.
Ouais, le souci c'est que tous les étals de nourriture ils sont vides ici. Ce qui visiblement n'est pas le cas en bas. Il est vide. L'autre, il y a des trucs dedans. Et là, il y a aussi des trucs à manger. Je n'explique pas pourquoi il n'y a pas d'étal de nourriture là-bas. Ça déplaît à plein de gens. Et le reste, ça a l'air d'aller. Combustible, ça ne manque pas dans ce coin-là. Les vêtements, ça ne manque pas quasiment nulle part. Nouvelle famille. À côté, j'ai vu que ils avaient encore monté d'un niveau. C'est bien ça. On va aller jusqu'aux mines éternelles. Et on va la construire dès maintenant. Ici, il n'y a plus de pierre. Ok. Step right up and sample. You know. Est-ce qu'on augmente le boisillage? On a un camp de bûcheron, c'est lui qui a retiré tout le truc dans le coin. J'aimerais bien faire des charbonniers aussi. J'ai bien une technologie, je sais plus. Je crois, mais... Irrigation. Réduit considérablement les dégâts causés par les sécheresses. Si c'est juste pour les sécheresses, c'est pas tellement intéressant. Ah, c'est une politique? Non, je crois pas. Bon, on va refaire plus de boisilleurs. Puisqu'on a de la main-d'œuvre disponible. Ça laboure, on a collecté j'imagine du coup, on a pas mal de blé et relativement pas mal d'orge. On va tourner. Je veux du lin. Encore du blé. Allons-y. En tournant, j'ai pas trop besoin de passer par la jachère. Je n'ai pas utilisé un nombre de cycles incroyable, mais je pense que j'aurais pas besoin de passer par la jachère. Eux, ils savent pas trop où planter. Oh, le pâturage est plein. On va en faire un autre. Ou alors,
il faut que je débloque la rotation sur les pâturages. Permet d'utiliser un champ en jachère. Et pour ça, il faut que j'ai 5 maisons de plus au niveau 3. Ça se fait à condition d'avoir les planches qu'il faut, et je n'en ai pas. Je crois que j'ai plusieurs séries. Yep. J'ai plein de maisons libres. Les pots, on n'est pas large. On va être plus large comme ça. Les gens ratissent à la main là. Ouais, labour à la main. Pas très opti. Donc on a un buff. Ils ont chacun un buff, non? Affectation d'une bête. Oui. On en commande encore un. C'est bien, mais ils sont vraiment très 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 nombreux. Pas assez de place en étable. Mince. Je pensais qu'on était bon. Apparemment pas. S'il vous plaît, faites-moi ça rapidement. On va bientôt avoir fini. Ratissage. Et en pâturage, j'ai pas de place non plus. Ah mais je me disais que c'était pas grave parce que j'allais mettre un champ en dédié aux animaux. C'est pas encore fait donc de l'autre côté. Où est-ce qu'ils sont censés planter eux? On va leur demander d'aller planter là-bas.
Et sur 12, oh là là. Alors j'ai plus besoin de temps dans la ferme. Chasseurs non plus, qu'est-ce que je vais leur donner à faire à mes citoyens? Tenter d'augmenter le moulin. Mais j'ai l'impression que le moulin tourne tout seul. Augmenter les gens sur le camp de bûcheron. Ah, on pourra faire une. Non, on pourra pas parce qu'on n'a pas débloqué l'amélioration. J'ai fait un camp de bûcheron là-bas. Hop, je vais envoyer plein de monde. Et j'ai fait un boiseur. On a que 3 mois de combustible alors qu'on a 200 bûches. Oh là là. On brûle tellement de combustible. Là il plante. C'est bien. Là ils ont tout planté, c'est bien. On est en novembre, mais bon. Ils plantent et les graines restent sous la terre jusqu'à l'année prochaine. On construit ça, ouais. Oh, on a plein de bière maintenant. On n'a pas beaucoup de vêtements, on a beaucoup de manteaux. J'ai demandé à faire des jacques qui servent aux militaires. C'est pas encore suffisant, mais ça va venir. Je sais pas comment je peux en obtenir des retenues. Fabrication d'armure supérieure. Ah, c'est spécialement pour la retenue. La retenue, si j'ai bien compris, c'est les soldats permanents. Contrairement aux autres qui sont des soldats temporaires. Alors là, ça se passe bien. On a un gisement d'argile. On pourrait même l'exploiter un peu. J'ai l'impression qu'ils ont rasé une partie de la forêt définitivement. Étrange. Est-ce que j'ai fait un tanneur? Oui. On peut remettre un scieur. On va mettre plus de monde sur le comptoir. Et commander un cheval. On n'a pas de place pour un cheval, mais hop. On va quand même le commander et construire une petite étable. C'est où ça? Poteau d'attache, c'est bon. Là, les gens sont très contents. Faut dire, j'ai pas encore fait construire mon manoir. Ah, je pourrais. Je me mets au cœur du village. Ici. Allez, c'est parti. Voilà pourquoi ça s'appelle Manor Lord. Parce qu'à chaque fois, on construit un manoir dans le nouveau village qu'on construit. J'ai pas encore assez d'influence pour faire quelque chose. Je n'ai pas vu de camp de bandits depuis très longtemps. Je
J'aimerais commencer à revendiquer les territoires ennemis, que c'est quand même mon objectif pour gagner la partie. Mais je ne sais pas exactement comment je dois faire ça. Une bestiole morte, ça? Oh non! J'ai un bœuf qui est mort! J'en ai plus que 9 maintenant. Oh! Ça devait arriver un jour ou un autre. Mais... j'ai plus de planches. J'ai plein de gens dans la série. J'ai plein de gens dans les séries, surtout des qui attendent. Je peux faire une série de plus, ça coûte pas grand chose. Pourquoi pas près de... des nouveaux camps de bûcherons. Fait un truc plutôt droit quand même. Alors là ça pousse du blé. Là ça pousse c'est du blé aussi. Là ça pousse c'est du lin. Et là ça pousse c'est du blé. Mince, où est-ce que je fais de l'orge? Donc c'est planté mais... nouvelle retenue farm. Je sais pas comment j'augmente la taille de ma retenue. Ah, mais je pense qu'en fait il leur faut, je sais pas, que c'est une unité tellement magique et tout. Juste il leur faut des armes, je ne sais pas quoi, mais des haches peut-être. Mais les siens, on dirait qu'ils ont, ils portent des haches. Les lanciers, ils ont des lances. Les halbardiers, ils ont des halbardes. La retenue, elle aurait des haches. Ça, c'est des flèches. Je ne sais pas trop. Arc arbalète. Ah, et puis j'ai beaucoup beaucoup de sous si je décide d'engager des mercenaires. Ah, oh, on voit la neige se geler. C'est joli. Lorsque je frise le jeu. Ils sont surtout en charge de transporter jusqu'au moulin. Et la boulangerie, elle a des quantités de pain incroyables. J'ai envie d'augmenter le personnel du comptoir commercial pour qu'on arrive à vendre notre pain. On a une route, oui. Le prix est bas. Parce qu'on en vend beaucoup. On pourrait peut-être demander un peu de pain ici. Ah, mais après ça va faire un cycle et je pourrais plus le vendre à quelqu'un d'autre, je pense. Donc on va éviter. Ah, j'aurais pas fait faire des légumes. C'était mon objectif, mais... je pense qu'avec surtout cette zone-là,
j'ai suffisamment de monde pour attaquer. J'ai 144 gars engagés. Essentiellement des lanciers, mais j'ai une quantité d'arc et d'armes qui fait que je peux encore en engager beaucoup plus. Stank endommagé par les intempéries. Okay. Et on n'est toujours pas vraiment large en nourriture. Ah, en combustible. Pas en nourriture. Pourtant, j'ai bien ce boisier actif, ce boisier actif. J'ai mis personne sur mon entrepôt. Mauvaise idée. Ça se passe bien. On a de la bière, on a des chaussures, on a des manteaux. En vêtements, on a pas de vêtements pour l'instant. J'en avais pas lancé. C'est peut-être tailleur, voilà. Si, mais il faut de la teinture, il nous manque de la teinture peut-être. Non, on a tout ce qu'il faut. Et de la toile. Ah, on n'a pas de toile là. Donc on va repasser à faire des manteaux. Au moins ça on peut en faire. Et si on n'a pas de toile, c'est parce qu'on n'a pas de lin. Parce que des ateliers de tissage, on en a. Et ils font des tonnes de fils avec les moutons. Qui sont pas satisfaites. Ils y font leurs propres légumes, mais ils n'en bénéficient pas. L'exploitation de minerais et de ce côté là augmenter la production d'armes et en vendre. Je vends des lances, je pense. On pourrait vendre des outils sinon. Coûte moins cher. Ou des lingots de fer, mais je pense qu'il vaut mieux les transformer. On va vendre des lances. On s'en garde 50. On pourrait vendre les arcs aussi. Je sais pas si ça suit. J'ai l'impression que malgré mes deux séries qui tournent à fond, on manque de planches. Et j'en ai fait une de plus. Ah mais j'ai mis personne dedans. Et peut-être qu'il vaut mieux faire plus de séries différentes. J'achète toujours le minerai.
Ah, j'ai plus énormément de sous. Il y a un truc qui coûtait cher, je crois pas. C'est à force d'acheter du minerai peut-être. Enfin, si je revends des lances, ça devrait aller. Peut-être que maintenant le minerai me coûte plus cher. Enfin, très abondant, les prix sont extrêmement bas. Bon, on va récupérer du pain ici alors. Importation de pain. Récupérez-en pour 40, ça va aller. Oups, 40. Et maintenant, si je regarde la vente de pain, on exporte toujours pour 1. Bon. C'est terrible par contre d'exporter pour 1. On va dire pas de commerce. Et on va le garder pour nous. Pas de la nourriture variée. Mais au moins ça nourrit. Ça vaudra mieux que de ne pas de rien avoir du tout. Les marchés. La nourriture est plus très variée. Et toute la nourriture est sur le dernier marché. Hein. Peut-être que ça va pas. Ça ne fonctionne pas bien de faire plusieurs cœurs de village. Combustible, tout le monde est alimenté. Les vêtements, c'est plutôt de ce côté-là. Pourtant, j'ai pas spécifiquement demandé aux gens de pas déposer de nourriture là-bas. Il y a même du pain, des œufs, des baies, des légumes, de la viande. Il n'y a pas beaucoup de gens qui apportent de la nourriture, j'ai l'impression. Que comme le marché est plus près de la hutte des cueilleurs, ils récupèrent les baies, mais il n'y a pas de raison objective qu'ils récupèrent les légumes qui sont produits là-bas. Mais ce qui est possible, c'est qu'ici ils consomment tellement de nourriture que ça me dépense tout. Ah. En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et à bientôt pour le suivant.